Entre-temps, notre pays est à l'agonie. Une situation qui d'ailleurs a déjà inspiré de grandes chaînes américaines. Voyez plutôt. Bon, heure du décès. Ouais, des fieux, t'as même pas commencé ici, quoi. Oh oui, juste dans les... Bon, cravate. Cravate, j'ai dit. Bah, bien sûr. Ouais. Papa vélo. Voici, grand docteur. Bistouri. Tout de suite, vénéré Bedeway. Cervela. Voici, adoré, adorable. Alors, j'incise le BHV, voilà, et hop, compresse. Allez, hop là. Ah, j'ai la sécurité sociale ici. Ça, c'est le respect des minorités. Mais tchou, il va plus rien en rester, quoi. Attention, merde. Comment va son taux d'IPP? L'IPP est stable. Faites-lui une injection d'ISOC au niveau de son Bruxelles. Ah, voilà, je viens de trouver son artère fédérale. C'est pas facile, hein, vous... Il lâche pas, hein, le coco. Oh. Oh non, docteur, merde, quoi, son IPP vient de s'éteindre. De tchou, vite, il faut faire quelque chose. Oula, c'est quoi ce bordel? Zut, j'ai tranché le fédéral. Et la clinique m'a mort, hein. Essayons encore une fois, avec une élection choc. Cela ne servira à rien. Je vais devoir l'euthanasier les forces. Ça va être pour son mieux. Oh, maître docteur, comme vous êtes brillant. Mais non, il est pas en phase terminale. Oh, oh, retourne-moi si c'est comme ça. Moi j'arrête, hein. Assistant, tu recoules le mannequin ici et on reprend tout de main à zéro. Oh, maman, déjà, je suis si inquiet pour le petit, hein. Alors, docteur. Ouais, je voudrais pas être trop direct là, hein, mais il est mal embarqué, hein, votre gamin. Oh non! Dites, sire, est-ce que vous avez déjà pensé au plan B? Le plan B? Que vous fassiez don de ces organes pour donner la vie à d'autres entités. Moi, ça va pas, non? Comment ça? Moi, espèce de charognière, la vie de ces organes, moi, vous voulez bien, ouais? Un coup de pied dans le derrière, ici! Le mannequin Peace va-t-il succomber aux erreurs volontaires du traitement de Dr. Bedeway? Vous le saurez dans les semaines qui viennent.